Merci. J'arrive. Hey, j'ai une idée. On va trouver un cadeau pour Lev. Allez. Et qu'est-ce qui l'a poussé à le faire? Je veux dire, se raser la tête. La semaine dernière, il a attribué son rôle au sein de la communauté. Il voulait devenir un soldat comme moi. Mais ils ont décidé de le marier à l'un des anciens. C'est la tradition. Pauvre gamin. Il va être dans la liste. C'est où Santa Barbara? C'est en Californie. Et la Californie, c'est où? Je vais te montrer. Là, c'est Seattle. Et là, Santa Barbara. Et notre île? On ne la voit pas, mais elle est par ici. Notre île, il y avait une espèce de cabriolet. C'est tellement loin. Ouais. C'est le mec? Non, mais apparemment, la femme, elle m'a dit que c'était elle qui venait. Alors, je sais pas si elle prend, si elle prend la même voiture ou pas, mais je suis arrivé quand même, tu vois, c'est genre. Et si c'est cabriolet de la dernière fois, attention. Attention, quoi? Mais tu dois arriver, quoi. Je peut-être pas avant de commencer à donner les petits déjeuners, mon petit cœur. Ouais. C'est le dimanche. Toi, mais les deux. La mère va être toute la vie. Ouais. Ça. Je sais plus ce que je suis. Tu es plus là? Descends. Allez. Descends. Il doit bien y avoir quelque chose qui traîne dans le coin. J'aime bien ce jeu, mais pour toutes ces scènes-là de blabla et tout ce que je suis. Et il empêche patate, je sais pas ce que t'en penses, mais mine de rien. Mine de rien. Finalement, elle a pas arrêté d'essayer de la faire marcher samedi et dimanche, peut-être que c'est ça qui a su. Bah, il y a beaucoup de, il y a eu beaucoup de marches, beaucoup d'entraînements. Le fait pour la team KSN 42, tu vois. Ça a été aimé, ça a été. Tout ça, ça a été possible. C'est un petit cœur. T'as été? J'ai envie de pipi en plus. Le mari de petit chat. Bravo papa. C'est pas pour toi, mais bravo. Et ça, t'as dit quoi? C'est parfait. Mais elle a tort, tu sais. T'es quelqu'un de bien. Tu me connais pas. J'en sais assez. Abby, tu pourrais arrêter de piquer mes affaires, s'il te plaît. Désolée, je savais pas que tout dans l'aquarium t'appartenait. Bah c'est mon aquarium. Mes affaires. Je rigole. Tu prends ce que tu veux. Bon, mais ça, ouais. Mais voilà, j'espère que toi, ou vous, avec lui, est-ce elle que tu as fait l'aide pour l'ami car je l'aime et j'aime ouais, pas l'avoir comme ça. Dans le couloir, là-bas. Ah. Je peux te parler. D'accord, écoutez. Petit argent. D'accord. C'est bon. Elle comprend pas mon humour. Je suis nul avec les gosses.
C'est clair. Parce que là, forcément, si j'ai pas compris, le problème, c'est pas que le jeu, de toute façon. C'est aussi du mur. Tu viens à Santa Barbara. Non, non, non. Je parle pas du oui, point. J'ai pas de je parle pas du point du... Je parle pas du point de départ du problème. Tu sais. Je crois que le problème, c'est que déjà, il y a un problème avec Joe. Mais il y a un problème aussi avec Dino. Une solution. Elle l'a pas dit, mais moi, je l'en suis. Enfin, je sais pas ce que t'en as pensé, mais elle c'est trop tard. Non, pas du tout, écoute. Je sais. Bah, on a parlé, tu m'as dit tout ça, mais là, c'est pour du coup, moi, j'étais totalement ailleurs. Oui, je sais. Oui. Tu me l'as ramené. Mais on peut être ensemble. Happy. Bien. Bravo. Ok, bah, t'as entendu? Qu'est-ce qu'il fait? Je vais la retrouver. Qui ça? Sa mère. Elle va le tuer, Abby. Le bateau est prêt? Encore. Dans combien de temps? Oh, il te pourra appeler. Ah oui, mais je peux pas, j'ai trop. Mais quoi, papa? Je vais voir, les gars. On va le retrouver. On prend un bateau à la marina. Hé, elle vient de se faire opérer. Papa. Je vais bien. Mais on doit m'aider à le retrouver. J'ai réussi. Merci, mon fils. Merci. C'est dangereux, là. Merci, mon petit cœur. Justement. On va aller, allez. Je ne peux pas la laisser y aller seule. Tu sais que c'est plus long, ce que tu restes ici. Alors, tirer tout droit, tu pourras plus jouer. Je peux t'aider. Ouais, en commençant par réparer ce bateau. Là, regardez où la maison, tu sais. Reste là où t'es plus utile. Yara, on y va. J'ai tellement de petits cœurs. Elle est bien qu'elle marche un jour. C'est vrai. Voilà la marina. Tu te sens bien? Ok. Il y aura un coup pour moi, je vais jouer après. Ah, t'as pas dit, c'est ça, je vais te... Et Wolf utilise cet endroit? On y a marre dans un de nos bateaux. Ok. La gueule de chien. Wow. Oh, c'est trop long. T'as dit quoi? C'est mon petit chat. Papa, est-ce qu'il y a mon petit cœur? Viens. Je te rattrape. Je vais y arriver. Continuons. Papa, le bébé. Le bébé? Fais gaffe. Oh, Simba, tu me fais trop déprimer. J'ai envie de pleurer quand je t'écoute. Oh, Simba. Oh, Simba, il est trop malheureux. T'entends le chat? Comment on fait pour atteindre ton village sans se faire tuer? Je connais des endroits le long de la côte où on pourra accoster discrètement. Ensuite, on prendra des petites routes. C'est maman. Maman, papa. Plus que les autres, en tout cas. Tu crois que Lève finira par changer d'avis? Maman, papa. Il y a plus de patates. Tu devrais pourtant savoir ce qu'il attend. Merci. Le bébé? Oui, le bébé. C'est sa mère. Peut-être. Vous êtes quoi, tes parents, aujourd'hui? Non, 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 mais non, je rigole. Non, mais oui, j'y ai pensé, mais je rigole. Non, mais après, non, je... Faut pas abuser d'eux, parce qu'après, on va flinguer ton père, et puis ça va les démotiver, et puis ça va être chiant, et puis... Non, non, mais c'est déjà très très bien ce qui s'est passé. On a qu'à... Et si on peut remettre le couvert samedi à fond, et se débarrasser du placo, garage, et machin... Merci, mon père. Et puis s'actionner sur les bandes, déjà, ça serait génial. Moi aussi, j'aime pas ça, mais
Mais je m'en fous, dans la mesure où il faut avancer, ils vont pas les plus, donc je vais faire des pensées, quoi. Parce que le haut, déjà, il n'y a pas grand-chose au niveau, niveau à penser, ça va aller vite. Et Simba, je vais te défoncer. Ça commence à me saouler. C'est dommage qu'on ne peut pas connaître quelqu'un qui n'a pas une girafe avec un... avec un aspirateur. Une girafe à poncer, tu vois ce que c'est? Vous n'avez pas les plaquistes parmi nous? Parce que je sais qu'il y en a un qui pouvait dans en avoir une, mais on lui prend jamais, donc... Oh, Simba, c'est trop dur la life. Parce que quand tu dis c'est l'anniversaire de mamie, c'est ta grand-mère Lucette. Ah bon? T'es là? Non, mais... oh, moi je pars tourner les autres. Bah, tu commences à gonfler sérieusement. Donc, un gros pleurnichard là. C'est belle. Pitié? Parce que 31 000? Bah moi je ressens tout au boulot. Le soir tu veux dire? Ah d'accord. Bah oui, c'est ce que je vous disais aussi. D'accord, donc tu veux partir à Loche au soir avec Lulu, c'est ça? Possible, ouais. Ah, si vous êtes là toutes les trois, il faudrait que je me casse. Non? On peut passer par là. Ouais. Et alors, rappelle-nous ce que tu veux mieux faire. Je veux les tourner. Je veux les tourner. C'est là. Les bateaux sont de l'autre côté, là-bas. Il faut qu'on remonte et qu'on contourne par la route. Ok, c'est parti. Hé. Tu gueules. C'est bon, là. Allez, sautez, allez. Yara. Hop, hop, hop. Bidou?
décoiffée. Oh. Elle est toute décoiffée. Ok, elle était pas contente. Merci. Loupé. Un bateau et je te récupère. Non, je vais t'aider. Pas cette fois. Je m'en charge, ok? Ok. Oh, Simba. Moi, ma petite, bah, j'ai trop cassé. Viens, viens. Ça, ça. Ça. Baisse-toi. T'es venu seul? Ouais. Merde. Ce sniper, c'est un putain de pro. Qu'est-ce que tu fais dans le coin? Les canons, on devait attaquer l'île cette nuit. Et ce pendejo s'est pointé. J'ai envoyé un gars chercher de l'aide. Les renforts vont arriver. Enfin, j'espère. Il me faut un de ces canons. Maintenant. Pourquoi? Plus tard, les questions. Dans ce cas, va falloir que tu m'aides à le descendre. On y va. Planque-toi. Steve va buter toute mon équipe. T'inquiète, on va le choper. Putain d'intrus de merde. De quels intrus tu parles? Ça fait quelques jours qu'ils ont débarqué de nulle part. Ils font un max de dégâts. J'ai rien super vu. Ok. Ok, 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 ok. Tu ranges, c'est bien. On va découvrir la life en tout cas. Planque-toi. Putain, j'ai failli me faire tuer. Par ici. Si. On t'a fini. Ami. Rien de grave. Allez, j'y vais. Oh.
toi le cul! Qu'est-ce que je peux être conne? C'est... Je commence sérieusement à m'énerver. Elle est là. Il m'a bêté bébé. Merci. La rue est impraticable. Merde. Bon, c'est quoi le plan? Viens, on va dans le garage. On peut se servir de ça. Vas-y, je te suis. Allez. Le chariot tombe en morceaux. Faut y aller. Ça va pas. C'est là, les gars. Ça va du tout, mon bébé. Comme ça. Vous te lèves le petit chien, peut-être, mon bébé, avant. On peut se servir de ça. Au pire, on laisse les gars ici et nous, on repart entre filles. Chariot tombe en morceaux! Faut y aller! Où est le petit chat? À l'intérieur! Putain, il est doué! Sans déconner, c'est ces intrus qu'il faudrait attaquer. Pas cette putain d'île. Manny. Il est où là? Papa. Avance!
sors-le de sa cachette. Manny. Tant pis. On va... T'es sûr? T'es sûr? Le jeu il est spécial par rapport au premier épisode, il est spécial. En gros, le premier épisode, on avait fait ensemble la dernière année dernière pour aller tourner. C'est l'histoire de. Bah, c'est le début de l'apocalypse. Je me barre là, c'est ça en gros. C'est Tommy. C'est un gentil. Et en fait, dans le premier, notre personnage principal de tout le jeu, en fait, c'est Joël. Et Joël a une mission dans le premier Last of Us, c'est de sauver une fille et de l'emmener en fait à un hôpital pour découvrir un vaccin en fait pour les zombies. Et en fait, pendant tout le jeu, en fait, ils s'accompagnent, ils se serrent les coudes, ils se sauvent entre eux, etc. On joue que ces deux personnages, la fille et le mec. Allez. Et à la fin du jeu, on apprend que pour faire le vaccin, ils sont obligés de dégouiller la petite fille. Ouais, on doit faire une mission de la petite fille. Voilà, c'est bon, tu ne comptes pas. Ah, c'est bon, tu le fais. Et le personnage principal que celui-ci, c'est la fille, justement, du précédent. En fait, elle, c'est la fille du médecin qui était censé tuer la fille en fait pour faire le vaccin. Que Joël a tué. Elle se rend compte qu'au début de celui-là. Et en fait, elle cherche qu'une seule chose, hein, c'est à se venger de Joël en fait. Parce qu'elle a tué son père. Et au début du jeu, chose que tu n'as pas vu, parce que tu n'étais pas en train de regarder, c'est que on a Joël en jeu avec Ellie, et en fait on se fait piéger et Joël y meurt au début du jeu. Et du coup, Ellie, tout ce qu'elle pense, c'est à se venger de Abby, de elle. Donc la première moitié du jeu, elle se passe avec Ellie. Dans sa quête de revanche contre Abby. Voilà. Et toute la deuxième partie du jeu, c'est on contrôle Abby qui avance jusqu'au moment où elle rencontre Ellie et où elle va se mettre sur la gueule pour. Et du coup, moi, je préfère largement jouer avec Ellie parce que c'est. Pour moi, c'est un peu le meilleur personnage. C'est pas gros, sa bébé, hein. Ça, c'est pas bien du tout, ça. Et je crois que je vais arrêter parce que la dame, elle va arriver. Et la dame est arrivée.